Alors, c'est honneur à mis à cœur. Et bienvenue sur ACTV, la chaîne des pimes. Mais c'est pas possible! On peut pas faire ça avec ça! Donnez-moi des lunettes! Donc, je disais, bienvenue sur ACTV, la chaîne des pirates informatiques. C'est quand même mieux avec les lunettes, je trouve. Hein. Aujourd'hui, nous allons partir à la pêche. Nous allons apprendre ce qu'est le fishing. Mais vous êtes vraiment sûr pour les poissons, là? Non, mais ça va, c'est bon, ils savent que fishing, ça vient de poisson. Rassure-toi, ami flibustier. Aujourd'hui, on ne va pas taquiner le goujon. Non, ce que l'on cherche, ce sont des données personnelles, des codes secrets, des numéros de compte. Donc, pour ça, deux méthodes. D'abord, la toile, enfin, le web. Tu envoies à ta cible un faux mail qui ressemble à s'y méprendre à celui d'une administration, les impôts par exemple. Roger, très jolie l'illustration, hein. Bon, donc ta cible le reçoit et bien entendu va y répondre en te donnant ses codes et identifiants. Et là, jackpot! Bon, vous avez compris la première méthode. La seconde est plus humaine, plus chaleureuse si vous préférez. Mais pour cette deuxième méthode, il te faut un téléphone. Admire le talent. Allô, monsieur Mérou? Oui, c'est votre conseiller clientèle à l'appareil. Oui, bonjour. Oui, il semblerait que de méchants pirates informatiques tentent de pirater votre compte. Ah oui, vous savez, ils ne reculent devant rien. Oui, pouvez-vous rentrer vos mots de passe et vos identifiants sur notre ligne sécurisée? Merci, monsieur Mérou. Je suis trop fort. Bon, vous l'avez compris, hacker, c'est la vie. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres conseils. Mais n'oubliez jamais, force et honneur. C'est pas mal, hein? Il est encore bon, le vieux, hein? So long, amigo. Keep cool.